Les jeunes du monde rural passent à la vitesse supérieure dans le renouvellement des instances dirigeantes des organisations professionnelles agricoles. 8000 villages bénéficiant de l'encadrement de l'Agence nationale de développement rural, ANADER, sont concernés par ce renouvellement. Et pour marquer cet événement, le conseil d'administration de la Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire s'est réuni pour lancer les grandes orientations du prochain congrès de Yamoussoukro. Une invite à ce sujet a été faite à l'endroit des jeunes de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je dis aux jeunes qui sont en ville, s'ils sont décidés à réussir dans la vie, ce n'est pas tout qui se passe dans l'administration. Nous aussi dans la nature, au village, on gagne ce que eux qui sont en ville ne gagnent pas. Tu as un état de poivre, tu n'as pas moins de 12 millions de francs par an. Qui partage selon son niveau et voit combien de francs il gagne. La Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale de Côte d'Ivoire regroupe 4 millions de jeunes. Elle intervient dans l'encadrement, l'orientation, l'éducation, l'organisation et la défense des intérêts socio-économiques des jeunes en milieu rural.